C'est un jour sans. Ah, je dois bien vous l'avouer que... je dois bien vous avouer que c'est mitigé. C'est un peu un jour sans, voilà. Donc mais, je compte bien gagner, oui. On s'est dit qu'on partait sur 5 heures du coup. Non mais là c'est bon, vous êtes ok. On va retrouver ces runs sympathiques, souvenez-vous, en 20 minutes ou moins. Tout est une question, voilà, juste de remise en question. Is ok. Alors oui, il faut que je change le chat parce que si je reste sur le chat... Bah du coup, si tu veux, on a tous les deux réinstallé le Cheat Engine parce que ça se voit quand on l'a pas, ça marche pas. Ah bah oui, non mais voilà, ah, il serait temps. On l'a remis, voilà. De grâce. J'ai envie de dire. On l'a remis, on l'a calibré pour faire des runs de 8-10 minutes, hein, pas plus, histoire que ça aille vite. Parfait. Je pense que tout le monde sera content. Donc là, on compte sur vous, hein. Je pense que la FCT est bonne. On est en plus sur Eve, un personnage assez particulier, mais personnage puissant. Is ok. Ça peut le faire, ça peut l'effectuer. Allez, moi je crois en la RNG. Moi, il me faut juste une suite. Mais là, je comprends pas. Un truc bien. Ah oui, voilà, Sinaël évidemment qui s'énerve comme moi, je l'aurais fait d'habitude, mais je suis au-dessus de ça. Oui, parce que oui, on dit engine, mais pas engine, ah oui, machin. Alors, moi je prononce comme je. Ah, non. En tout cas, c'est quelque chose que vous n'allez pas forcément voir de votre côté, messieurs, mais sachez que j'ai en ma possession quelque chose qui pourrait être utilisé si jamais cette run se passe très mal. Je compte sur vous. T'as préparé la roulette russe? Don't worry, be happy. Messieurs, vous êtes prêts? On va y aller. Moi, je suis ready. Une seconde. Oui. Je remets la musique. Ready. Ready? Ok, alors écoutez. Ready. 3. Bonne chance. 2. Ouais. 1. Ouais. Go! Let's go! Wouhou! Ah bah non, en fait, je déconne. Youhou! Eh oui, allez c'est parti, on va vibrer, non mais sans aucun doute, cette fois-ci je pense que voilà, ils sont beaucoup remis en question, ils ont beaucoup appris de leurs erreurs, nos chers joueurs Spoonbender pour des larmes au Ming, mais c'est surtout... Oh le pacte! Le pacte madame! Plutôt une excellente nouvelle, non mais n'hésite pas, oui, prends le Necronomicon parce que c'est moins cher que gratuit, il a raison, même si c'est pas terrible, l'effet de mort, toutes les 6 salles, mais surtout le pacte, pour qui fait starter Radical Edward avec un très très beau boost de débit de larmes, et ah merde j'ai oublié le timer, vite, bon on s'en fout ça. On va devoir faire une sorte de pulse. Ça fera un meilleur temps hein, pour Radical Edward, voilà. Quoi qu'il arrive ça fera un meilleur temps, donc c'est pas une mauvaise nouvelle. Hein, voilà. Donc oui. Oh là là, mais il a plus qu'un demi-cœur. Oh non. Oh, pas comme ça, Zinedine. Ah oui, en plus c'est un. Ah non, il faut pas crever. C'est un cavalier bleu. Ce cavalier bleu va lui redonner un cœur bleu. Fais pas le con, Zinedine. Donc le pacte, débit de larmes augmenté, dommages augmentés, mais surtout la transformation War of Babylon. Donc c'est garanti. Suffit plus. Il ne suffit. Il veut suffisni. Il faut juste survivre, voilà, cube de viande, un cœur bleu récupéré, et il descend. Basement 2, pour l'instant, Slooby, hélas, n'a pas trouvé de starter. On le rappelle, Eve, qui commence avec l'effet War of Babylon dès le début. Mais pour l'activer, elle doit avoir un cœur rouge ou moins, et pas un demi-cœur rouge ou moins, contrairement à ses confrères et consoeurs. Et c'est très important hein, qu'elle soit War of Babylon au plus vite, car quand elle n'est pas War of Babylon, et bien le multiplicateur de Eve est négatif et elle est extrêmement faible. Donc bon starter pour Radical Edward. Il ne restera plus qu'à continuer à l'améliorer et trouver des cœurs, surtout qu'ils soient bleus ou rouges. Hein, ma foi, il peut tout à fait récupérer un HP up Radical Edward comme signalé précédemment. Oh là là, Docteur Fetus, ah non. Ah oui, merci. Comme dit précédemment, un cœur, ça marche. Elle est encore War of Babylon, Eve. Ils vont vraiment faire les 5 persos? Non! Si Radical Edward gagne cette manche, c'est la fin. On rentre tous à la maison, la Coupe du Monde. Pour l'instant, ça ne tombe pas hein, pour Slooby. Alors, Slooby qui a le Dead Cat, hein, faut dire. Et du coup, voilà. Du coup, il va peut-être pousser jusqu'à son objet. Le Dead Cat avec Eve, bah, c'est plutôt intéressant. À voir donc. Ça permet éventuellement de farmer des Devil Deal sans pour autant quitter la zone de War of Babylon. Mais voilà là, le genre de salle qui doit se taper pour aller voir son objet. Il est
tête en train de perdre un temps absolument monstrueux. Ah, c'est Guppy's Tail. Ça vaut que dalle, c'est de la merde. Regardez tous ces cœurs bleus droppés par. Cœurs rouges, demi-cœurs rouges droppés par. Par Radical Edward qui a le Bloody Penny et donc 50% de chance de dropper un demi-cœur rouge quand il ramasse une pièce. Et il y a eu beaucoup de cœurs rouges qui sont apparus dans cette salle de boss, tout simplement parce que l'objet de boss c'était Page and Boy qui lui a donné du pognon. Hélas, pas de HP up, pas de dommage up ou tears up. Et Slooby, on en est à 2 minutes 40, enfin plus en fait, hein, 3 minutes, j'ai lancé le timer en retard. Mais c'est parti, Pentacle et il reset. Bah ensuite, comme dit, hein, les objets qui font juste du plus 1 de dommage up ne sont pas vraiment des starters au final. Ensuite, le Pentacle, si je ne m'abuse, vous donne beaucoup de chances de plus d'avoir les Devil Deals. 20 ou 30%. Et oui, et puis il y avait et oui, c'est vrai qu'il y avait le Dr Fetus avec, donc que de la merde. Guppy's Po trouvé. Presque dommage qu'il n'ait pu investir dans Guppy's Tail plus tôt. Radical Edward, il aurait deux objets de Guppy. Mais ce qui est sûr, c'est que ce Guppy's Po est moins cher que gratuit. Et Guppy's Po, je pense qu'il va sûrement le garder en main. Quoi qu'il arrive, voilà, plus que son Necronomicon, parce que c'est extrêmement puissant avec Eve, bien entendu. La possibilité de farmer tous les HP up de l'univers, tout en sachant qu'on peut se mettre en War of Babylon à l'infini, plutôt confortable. Et même si ici il a eu Krampus et Lump of Coal, ce qui est plutôt cool, c'est surtout cool parce que je vous rappelle que le starter de Radical Edward a été Necronomicon, mais surtout The Pact, obtenu dans une téléportation dans un Devil Deal via sa Curse Room. Et donc la dynamique de Devil Deal est déjà en place. Donc NP, Slooby quant à lui, hélas, ne peut exploiter son rocher marqué. Il a trouvé Goathead dans... Ah mais il a starté quoi? Il a starté rien? Qu'est-ce qu'il s'est... Qui est? Je ne comprends pas. Pourquoi au Basement 1 il n'a eu que la spatule en bois? Ah mais oui, il a starté Pinking Shears en fait pour roxer les boss vite. D'accord, c'est extrêmement audacieux. Mais ainsi soit-il, c'est émergent. Mais il a Goathead. Et Goathead ça va être très très... Oh là là, ça c'est bien. Sadonion, gros tears up pour l'ami Slooby qui du coup doit vraiment avoir une cadence de tir sympathique en War of Babylon. Oui, on le voit, ça devient assez dément. Et Pinking Shears balancé qui va défoncer Pin en deux frames. Et là c'est la boîte. Y aura-t-il un trinket, un curved horn, un cancer? Non, c'est juste l'aimant cassé qui est dégueulasse. Et la pelle c'est très rigolo, mais il a tellement besoin de DPS. Alors qu'est-ce qu'il en fait sa pelle? Il va la prendre peut-être pour la laisser. Ouais, voilà. Il hésite à garder ses Pinging Shears ou garder l'appel qui permettra d'avancer vite, mais l'appel sans avoir starté avec un gros dommage up ou un gros modificateur de l'arme, c'est peut-être plus risqué qu'autre chose, même si elle lui permettrait de s'échapper par exemple du boss rush, mais là il a besoin de l'apport de Pinking Shears pour des boss, donc ça se tient. Radical Edward a un seul cœur bleu, un accident, une touche par un ennemi d'élite, s'il marche sur des pics c'est la mort directe. Donc ça pue un petit peu. Va-t-il piffer les pilules? Il piffe les pilules. Sait-on jamais, un Balls of Steel serait plutôt pas mal. En tout cas, I Can See Forever. Peut-être que des cœurs seront cachés dans la salle super secrète. Il est devant son item moon mais n'a pas de clé. Est-ce que les Stalkers IPK vont faire apparaître le Liberty Cap? Ce n'est pas le cas. Il y a une clé qui a été droppée par la salle. Voilà qui est fait. Et il la garde pour le shop, semble-t-il. Ah non, il veut d'abord bomber des champs plats. Oui, il semblerait qu'il la garde pour le shop. C'est peut-être pas dénué de sens pour tout simplement acheter un cœur bleu et espérer trouver un objet de mapping ou un objet puissant du magasin. Stopwatch, Champion Belt, etc. Mais à jour, Slooby, MV, please. Mais à jour quoi? Mais à jour de quoi? Je ne comprends pas ce que vous me dites. Ah oui, mais à jour Slooby dans la progression de... Oh putain, même mon cerveau est en train de fondre. Il y a la blue map pour Slooby ici qui lui donnera les positions de la secret et super secret room. Voilà qui est fait. Ça reste un élément de mapping mineur, mais qui peut être très utile. La salle super secrète étant souvent située près du boss. Radical Edward qui backdash vers quoi au final? Ah, il va aller voir sa salle d'objets, bien entendu.
Will n'a toujours pas trouvé son... Bah si, le magasin c'est fait. Ou pas d'ailleurs. Des bombes ici, les Butt Bombs qui veulent lui donner des bombes caca toxiques. Oh, le Dead Onion trouvé par, par Slooby. Bah figurez-vous que c'est pas dégueulasse qu'on a trouvé le Sad Onion juste avant. On voit que le débit de l'arme est très correct. Mais il manque des dommages up hein, dans cette histoire. Ah, Monkey Po, faut le prendre. Hein. Là, faut le prendre, mais sans hésitation pour Radical Edward. Quand il va, s'il se prend des touches normales et qu'il tombe à un demi-cœur bleu, le Monkey Po lui donnera un cœur noir. Et ce, dans trois situations potentielles. Allez, c'est parti. Slooby contre Chubb avec Pinking Shears d'utiliser. Regardez le dommage, hein, monstrueux. Toujours Pinking Shears. Ça déconne zéro. L'objet, c'est un HP up. Attention, il n'est plus War of Babylon. Et c'est Krampus. Et tu t'es baisé. Parce que du coup, t'es plus War of Babylon. Et tu vas avoir un DPS de moucheron. Et Radical Edward qui est décédé. On est encore dans la merde. Je vais pas m'énerver. Je vais pas m'énerver. Ah, ça sent. Je sais pas comment je vais rentrer, mais ouais, je vais essayer d'entrer au plus vite en tout cas. Oh là là, mais bordel de cul, au bout d'un moment, bordel de cul, de cul, de cul. C'est terrible. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas non plus, ma chère Kim, mais qu'est-ce que ça veut dire? Incroyable, ces joueurs incapables de faire un pulse. Ah, paf! Abaddon, allez, il vaut le plus dommage, plus first shot, avec les deux cœurs bleus du Curse Room. Putain, plus 1,5 dommage pour Radical Edward. Et encore plus, car il devient War of Babylon. Une probabilité de fear shot sur ses tirs. Il a donc 7 cœurs et demi noirs. Et il obtient Gimpy dans sa salle d'objets, qui lui donnera une chance quand il se fera toucher de dropper un cœur bleu ou noir. Est-ce qu'au bout d'un moment, on va pouvoir y arriver? C'est la plus totale. Allez, Monstro qui est en train de prendre cher face à Radical Edward, tandis que c'est une curse room du troll, hélas pour Slooby. Slooby qui, enfin, va redevenir War of Babylon. Il a Goat Head, hein, donc du coup, peu importe, le Devil Deal apparaîtra en fin des tâches. Magic Mushroom! Oh, le starter Abaddon Magic Mushroom, les petits amis. Ce Magic Mushroom qui le laisse en War of Babylon en plus, vu qu'il était à 0 cœur rouge. C'est peut-être la bonne hein, pour Radical Edward, alors que Slooby, lui, et ben son build, il peut devenir très intéressant, mais Slooby, il a un cœur rouge, et Slooby, il doit être vigilant. Il va aller voir sa super secret room, j'imagine. Peut-être des cœurs bleus, des cœurs noirs, ça serait de bonne aloi, de bon augure. Oui, un cœur noir. Et les Pinking Shears chargés pour le boss, qui est Megafati. Eh bien, ça tombe bien, Megafati, c'est un sac à points de vie, il va pas du tout kiffer. Ce Pinking Shears, regardez comment la barre de vie fond comme neige au soleil. Ça va péter et Blood Rites pour Radical Edward, ça ne sert à rien pour l'instant, mais ça pourrait servir par la suite. Ah, et cette fois-ci, Slooby intelligemment n'a pas pris le halo directement. Par contre, non, en fait, si, c'est très con. Parce que vu qu'il y avait des cœurs bleus, peut-être que prendre le halo et le HP up, puis, ou au moins prendre le halo et se prendre du dommage ensuite pour devenir War Babylon, et ensuite prendre les cœurs bleus aurait eu du sens. Il a besoin de ces augmentations de stats, mine de rien. Latchkey, deux clés et un cœur bleu et de la chance pour Radical Edward et ses Krampus. Peu importe, il a eu Abaddon au premier étage. Donc quoi qu'il arrive, il est dans une dynamique de Devil Deal. Espérons pour lui que ce soit l'Hump of Call, même s'il prendra la tête de Krampus, c'est l'Hump of Call. DPS donc sur la distance parcourue sur ses larmes. Et cave 1, Radical Edward qui remonte hein, son retard. Avec ce build qui commence bien. Abaddon Magic Mushroom, je vous le rappelle. Il ne reste plus qu'à trouver un ou deux trucs juteux encore. Et ça sera violent. Il est presque 20h. Ah non, mais je sais pas ce que je vais faire. Hein. Je vais négocier un Uber là parce que c'est possible. Faut pas faire des choses pareilles, messieurs. Il ne faut pas. Pyromaniac trouvé par Radical Edward. Plus 5 bombes et surtout l'immunité aux dégâts explosifs. Des dégâts explosifs qui le soigneront même.
et soigneront les cœurs rouges. Donc attention, hein. Attention finalement à bien rester à un cœur rouge max avec sa F, sinon il pourrait y avoir de mauvaises surprises. Ça l'immunise également contre les écrasements du style pied de maman. Donc c'est plutôt pas mal. Et méga fatigue pour lui. Common Cold trouvé par, par Slooby dans ses caves 2. Common Cold qui va lui donner des larmes empoisonnées. Le taux de larmes empoisonnées sera dépendant de sa stat de chance. Guppy's Head, pourquoi pas. Oui, il va sûrement switcher pour Guppy's Head, ça paraît être un meilleur choix. Et Mom's Lipstick de prix. Alors que j'ai reçu un appel. Est-ce que c'est ce que je pense? Non, c'est un numéro que je ne connais pas. Et j'ai perdu tous mes numéros en plus. Le Halo. Alors le Halo qui finalement est pris par, par Slooby. Bon bah ok. Alors il n'est plus War Babylon du coup, même s'il a gagné en stats. Il avance Depths Wen. Et du coup Radical Edward et Cav 2 lui avec, avec ce Guppy Z hein, qui va lui donner des DPS supplémentaires grâce aux mouches. Le mapping. Ah oui, oh là là, le mapping surpuissant, j'avais pas vu. Merde! Incroyable! Slooby avec un lourd avantage au mapping. Blue map plus boussole. Alors certes, il n'a pas le tracé exact de la map, ce qui il peut encore se faire troller. Mais là, c'est puissant. Hein. C'est très puissant. Il sait où se trouvera. Il le saura toujours maintenant où se trouve le boss, l'item room, etc. Le shop. Il pourra même savoir également où se trouvent les potentiels raccourcis grâce aux Secret Rooms. Ah, le Flat Penny, plutôt un bon trinket propose à Radical Edward, une 50% de chance d'obtenir une clé quand il ramasse une pièce. Et de fou l'utiliser, semble-t-il, téléportation dans la Curse Room de cœur bleu. C'est confort. Tadam. Ah là, mais c'est terrible. D'accord, un Pride affronté par Radical Edward, mais oui, l'anarchiste cookbook, on s'en fout. L-sub trouvé dans cette pilule, mais un L-sub vide. Bon, pour l'instant, c'est plutôt confort. Ce serait peut-être même intéressant hein, pour Radical Edward de trouver un demi-cœur rouge avant son potentiel Devil Deal. Car si vous avez des cœurs rouges, mais entièrement vides, voilà, il le prend. Eh bien... le jeu va vous proposer un Devil Deal uniquement en cœur bleu. Allez, boss de Depth One pour Slooby, c'est The Gate qui va subir la loi encore une fois de Pinking Shears, hein, mine de rien. Il a eu le phare à paupières de maman entre temps, Slooby. Ah, il faut pas prendre ce demi-cœur éternel, hein, certainement pas. De la vitesse encore avec Caffeine Pill, Brother Bobby, c'est nul. Et c'est pas assez. Else Down. Oh, la pilule Else Down, du coup, c'est bon plan. Et il redevient War of Babylon, Slooby. Malgré le fait que le Devil Deal ne lui permettait pas de retourner un cœur. Guppy, c'est... il est Guppy? Non, pas encore. J'ai cru qu'il était devenu un petit chat, mais j'ai oublié qu'il était décédé entre temps. Guppy Spo, c'était la partie précédente qui avait commencé avec The Pact. Mais il est à deux objets de Guppy, l'ami Radical Edward avec Guppy's Head et Guppy's Tail. Peut-être enfin verrons-nous un petit chat. Il aurait bien besoin de devenir un petit chat, Radical Edward, s'il veut revenir sur, sur Slooby. Slooby qui a peut-être un build. Son build n'est pas si dégueulasse, hein, un Dead Onion avec une bonne cadence comme ça. Mais le problème, c'est que il a le full mapping, Slooby, et ça risque de grandement l'aider. Alors que oui, Radical Edward passe un sale quart d'heure parce qu'il a piffé Ryu au Wizard. Et donc il tire de tous les côtés, c'est chiant. Oulala, là là, Slooby qui passe un mauvais moment contre les vaginas dans Tonton. Attention, voilà. Décalage shop. On remarquera encore une fois l'inutilité de l'oiseau mort. S'il devient un petit chat, il passe à 10% de chance de finir sa run. S'il vous plaît, respectez les artistes, hein, bien évidemment. Non, non, mais ça. Non, non, mais regardez, c'est bien, ça va se terminer assez vite. Là, je suis confiant. Hein.
Mais qui lui... Voilà pourquoi j'aime pas starter des matchs à 17h et compagnie, parce qu'il peut se passer genre d'accident naze. Ah là là, c'est terrible. Ah là, il a l'air d'être intéressé par la 9V. Et ma foi... Quoique non, 9V on s'en fout complètement avec Guppy Z, ce serait plus la batterie qui serait intéressante. Allez, Sloopy tout proche de sa mom, tandis que Radical Edward, lui, est en train d'affronter War. Il va donc avoir un cube de viande ou une boule de pansement, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et on espère pour lui un Devil Deal. Fin de devenir de plus en plus OP. Sloopy qui a Goat Head. Il aura un Devil Deal derrière Mom's Foot. Hélas, pas de pilule ou surtout de carte lui permettant de se téléporter hors d'un boss rush. Le Pinking Shears a été utilisé, le problème du Pinking Shears c'est que là il y a beaucoup de cibles potentielles et voilà, le Pinking Shears ne focus pas maman. Ah si, là il y a eu un bon gros bourrage, ouais ouais, excellent, en restant près du bas là. Et paf, c'est parti, Polaroid, un cœur bleu, Devil Deal, robe cérémoniale, bien entendu, robe cérémoniale. Pour Sloopy, plus de cœur rouge, 3 cœurs noirs et un dommage up, il est temps de partir. Le Devil Deal, le boss rush ne pourra être exploité et j'ai loupé pendant ce temps. Radical Edward est devenu un petit chat. Un petit chat avec un débit de larmes plutôt mignon, un peu de DPS. C'est pas encore monstrueux, mais ça va être une énorme aide. Et voilà, il garde son The Stars pour s'extirper du boss rush, bien entendu. Et il ira sûrement reprendre The Waludo. Pour plus tard pour le chest, va-t-il piffer? Il continue, mais il faut peut-être un petit peu moins farmer et se mettre en action maintenant. C'est par des Devil Deal ou autre, surtout qu'il va stuffer. Non, il va essayer de trouver quelque chose. Alors oui, s'il trouve Cricket 7, bien entendu, ça règle beaucoup de problèmes. Mais il faut tracer, regardez en tout cas. Ah, c'est dommage, oui, toutes les mouches qui disparaissent hein, contre ces maudits ennemis blindés. Ça, c'est une salle remplie de pins, tandis que Sloopy, lui, est... bien calé, hein, mine de rien, avec un DPS qui a pas mal augmenté, des larmes assez grosses, et surtout pénétrantes et spectrales, Dead Onion, hein, qui est passé par là. Et cherche son boss de Boom 1, donc. Et Mom's Foot qui pète déjà pour Radical Edward, c'est la dague sacrificielle, c'est pas mal, mais c'est laissé de côté pour le moment. Est-ce qu'il y a un truc? Oh, il y a la relique, il y a la relique, il y a la relique. Oh là là, il prend les 7 bombes! Option offensive choisie par Radical Edward, mais vu leur taux de wipe, j'aurais plus joué la relique pour jouer à hyper safe. Ensuite, c'est vrai qu'il a eu Pyromaniac, donc vous le voyez, hein, les bombes ne lui feront rien. Donc ça peut être intéressant d'avoir des bombes surpuissantes aussi. Mais oui, il prend une option plus relativement offensive et pas du tout défensive. La relique qui aurait sûrement carry jusqu'à la fin. Mais bon, ça se tient, pourquoi pas. La dague sacrificielle également aurait pu être prise. En fait, dague sacrificielle relique, je pense que c'était vraiment bien en fait. Mais non, ça sera la dague laissée de côté donc et les 7 bombs pour Radical Edward qui du coup hein, doit, a bien récupéré ses cartes de World et qui doit maintenant enfin prendre son Polaroid, son cœur bleu et s'extirper vers le Womb 1. Et il est à la bourre, en effet. Et il est quoi? Il est tout à fait Womb 2, l'ami Sloopy, avec un Marty Fouette également de droppé. Et ça, c'est bon plan, le Marty Fouette, qui a donné encore du dommage, un dommage up à Sloopy, en plus d'un peu de portée pour son Dead Onion qui en manquait. On a vu des gens mourir, c'est vrai. Faut mettre le turbo au bout d'un moment, madame. N'oublions pas que Sloopy a le mapping. Hein. Là, il est sur un Womb 2 très très long, mais il sait où il se dirige, plus ou moins. Radical Edward qui trouve vite son boss. Hein, mine de rien, un peu de chance là-dessus. Un boss un peu dégueulasse, cependant, c'est Scolex. Heureusement que le débit de l'arme est bon et qu'il y a les mouches. Scolex, évidemment, c'est tant qu'il ne vous montre pas son petit derrière. Eh bien, c'est assez pénible. Hein. On lui enlève du DPS vraiment au compte-gouttes. Sauf si on a Brimstone.
et autres larmes pénétrantes. Par exemple, Slooby, ça serait beaucoup moins dérangeant pour lui, Scolex. Attention, hein, le 1, reroll le personnage. Slooby ne désire pas reroll et tourne autour. Par contre, oh là là, dommage pris contre les Gurglings. Ça manque un peu de DPS, mais ça manque surtout de vie. Attention, plus que deux touches. Acceptable. Ah ouais, non. Slooby se prend le. Radical se prend le méga troll. Ah, enfin, il monte son fion. Et voilà. Radical Nord qui va se poser zéro question et qui va bourrer Scolex pour vraiment lui mettre la max à la boule de pansement. Et c'est vraiment ce qu'il fallait faire. Sinon, c'était parti pour durer 8 ans et demi. The World, repris, bien entendu. Est-ce qu'il va piffer? Non. Cette fois-ci, Radical Edward, se souvenant sûrement de la mésaventure de sa précédente partie, ne prendra pas l'objet en Curse of the Blind. Slooby, donc, qui a enfin trouvé son Hit Leaves. Son Hit Leaves qui va prendre cher, surtout grâce au Pinking Cherche plus qu'à ses larmes. Ça tombe pour Slooby, qui bascule cathédrale, alors que Radical Edward arrive juste seulement. Maintenant, Utero 2. Mais, oh là là, j'avais pas vu, Slooby n'a qu'un demi-cœur noir. Ça sent l'accident de votre vie. Allez, Slooby, et voilà, ça, ce genre d'ennemi-là, c'est parfait pour son build. Va-t-il trouver un rocher marqué? Va-t-il trouver quelque chose pour survivre? Il y a la... Ah, est-ce qu'il est tenté? Il est peut-être tenté, voilà, d'aller voir sa super secret. Il a assez de range pour régler ses ennemis sans trop de problèmes. Il peut, à la limite, se cacher dans les vases. Allez, let's go. Enfin, se cacher dans les pots. Qu'y a-t-il dans cette super secret? Un cœur noir. C'est un sursis pour Slooby. Dommage pour lui, hélas, il n'a pas... Eh bien oui, de cartes Steel the Emperor ou The World pour son chest 6. On proposait un reroll intégral du niveau et de son perso à l'ami Radical Edward. C'est refusé, il reste, il veut de rester Guppy bien entendu. C'est une rediff des poules, c'est ça. Eh, je vais pouvoir rejoindre ma douce. Rien n'est moins sûr, Slooby n'est pas décédé. Mais Slooby s'est refait toucher, cependant, attention, méfiance, Isaac qui a soit 40% de barre maintenant, tandis que Radical Edward, voilà, balance des Sad Bombs, pourquoi pas. Après tout, lui, il est immunisé à tout ça. Et les Sad Bombs peuvent potentiellement faire pas mal de dommages. Je ne sais pas si elles font apparaître des mouches également. En tout cas, c'est bon, Heatleafs tombe. Et il va récupérer un cœur ici, et à 6 cœurs et demi, il n'a pas pris la relique. Hein. Il a pris ses Sad Bombs. J'espère vraiment, Radical Edward, qu'il ne va pas wipe. Parce que sinon, ça aurait été vraiment con, hein, pour le coup. De ne pas assurer le coup. Mais il est guppy. La seule chose qui est dommage, c'est ouais, il lui manque du tears up, du dommage up. Ça aurait pu mieux se passer. Le chest de Slooby est dégueulasse. Figurez-vous, à moins qu'il ait envie de reroll son perso, de tenter le coup, de tenter l'aventure. Il regarde ses stats. J'ai l'impression qu'il y pense. Oh là là. Le beau jeu. Mais le beau jeu, un demi-cœur, évidemment. Ça se trouve, tu vas en gagner des cœurs, j'en sais rien. Oh là là. Oh paf. Et du coup, il a Epic Fœtus et il a... Oh non. Ah non. Non, ça allait se terminer, madame. Ça allait se terminer. Oh, mais... Ah, il a Epic Fœtus avec du dommage de nouveau-né, cependant. Ah, pas tant que ça. Il va pouvoir s'en... Mais n'importe... Non. Oh non, il a cancer! Il a cancer en plus, donc Slooby, quand il se fait toucher, certes perd un cœur, mais les dommages d'après ne lui font qu'un demi-cœur de dommages. Alors que Radical Edward serait bien inspiré de se manier le fion pour une fois dans sa vie! Vas-y, mon Radical, hein, n'est-ce pas? Faut bourrer avec Guppy! Et oh là là, et la salle pré-Isaac, c'est la salle remplie des Envy et des Super Envy. Alors heureusement qu'il est Guppy, mais ça va quand même prendre 852 ans. Incroyable, mais vrai. Slooby donc contre les cavaliers de l'apocalypse. Alors c'est long, hein, c'est long quand même. Heureusement qu'il a la boussole. Parce que sinon, s'il fallait se taper tous les randoms double adversaire et double catch, ça serait pénible. Ça reste pénible, mais je vous le rappelle, son reroll lui a redonné beaucoup, beaucoup de vie alors qu'il n'avait plus qu'un demi-cœur noir. Et il a le cancer surtout, donc c'est acceptable, on va dire, de se faire toucher. Et d'ailleurs, hommage à la dernière version du tracker, voilà, qui ne cumule pas les mandats. Et on voit bien le stuff actuel de Slooby. Et vous remarquerez au final qu'il y a quasiment pas de dommage up en fait.
à part ce, enfin, pour ce Epiphétus, que des objets du Schnapps. Léo, Nodeleaf, Rosary, Charm of the Vampire, Shielded Tears. Ah, en plus, il a le scapulaire. Alors, s'il gère bien, c'est gratuit. Hein. C'est totalement gratos, en fait. Mais attention, Radical Edward a terminé son chest. Il en est où au niveau point de vie? 4,5, hein, c'est pas top. Curse of the Blind. Ah là là, encore le Curse of the Blind. Est-ce qu'il piffe? Est-ce qu'il piffe? Est-ce qu'il en piffe un? Non. Il reste sérieux. Et il a son mapping également sur ce chest, Radical Edward. Alors, attention! Rien n'est joué, madame. D'ailleurs, c'est très bizarre parce qu'il a pas la boussole et... Ah mais non, il a reroll. Il a perdu sa boussole et sa blue map. Alors, est-ce qu'il s'est souvenu? Je pense que oui. Je pense, j'espère, pour Sloui, pour lui, qu'il avait pris l'info au début. Il sait où il va. Ah non, je dis de la merde. On voit la Super Secret Room. C'est juste qu'on la voyait plus sur en dessous de sa map, donc j'ai cru que les effets avaient disparu. C'est pas clair. Oh, attends, ah là là, ça va être pour Radical Edward. Ça va être pour Radical Edward. Dieu merci. Dieu merci, madame. Ah oui, non, pas Suicide King. N'utilise jamais Suicide King. Radical Edward, Radical Edward qui bourre. Voilà, mets-lui tout. Mets-lui la max. Gimpy qui drop un cœur bleu. On peut mettre du dommage. Bien entendu, avec... la boule de pansement, c'est bon, les sad bombes sont balancées, les voilà, les sangliers sont lâchés. 28 minutes 40. Mais je comprends pas. 28 minutes 40 pour Radical. Ouais. Ah, c'est fini. Radical Edward. Ouais. Incroyable. Alors que Sloubi était lourdement en avance, a failli décéder. Harry Roll est revenu avec plein de vie, mais avec un build extrêmement faible. Ouais, pas très très fort. Un épique fœtus faible. Et Radical Edward, lui, quant à lui, avait un build pas fou, mais était guppy. Et ça lui a permis de revenir. Eh ben, GG à toi. Très très belle race aujourd'hui. Ah, alors, je vous avoue, voilà, égoïstement, je trouve ça presque dommage hein, que pour la forme ça ne soit pas terminé en 3-2. Mais. Ah oui! Ah ouais, oui, non, mais j'ai donné ce que je peux, tu remarques, crac, voilà! Ah oui, là on y a cru, là qu'on a vu le reroll, on s'est dit, ah merde! C'est en train de se passer! Mais finalement, non, bravo Radical Edward, avec une troisième run en 28 minutes 47. On est déjà dans des temps plus standards. Le meilleur temps de la journée! C'est vrai. Eh bien, Radical Edward, je pense que c'est évidemment... Mérité. Mérité, et c'est vraiment devant une foule en liesse que tu accèdes... Ils ont apprécié le beau spectacle, là, voilà. Forcément. Ah. Que tu accèdes à la finale de Tears of Legends. Exactement. Alors, je ne vois pas où est le problème. Sloubi, attention, cependant, rien n'est terminé. Ah, bah moi, je peux refaire des belles runs encore. Tu peux nous offrir à nouveau des moments enrichissants, car tu feras le match, bien entendu, pour la troisième place et pour... N'est-ce pas le tableau de Tamise Ed Brimstone? Ah oui, non, mais en plus je le veux en plus. Entre autres, voilà. Radical Edward, voilà, petit problème de Larsen de temps en temps, n'hésite pas à prendre la parole pour arrêter ce Larsen dissident. De quoi? Non, en fait, quand tu ne parles pas, progressivement il y a une espèce de Larsen insupportable qui arrive, tu vois. Non, un effet de feedback. Désolé. Bref, bravo. Une race qui restera dans les annales. Quoi qu'il arrive. C'est indéniable. En tout cas, bravo à vous, messieurs. C'est terminé, dommage. Sloubi, ça s'arrête là, mais pas encore, pas tout à fait. On va me revoir, bah oui. Ça va être bien. Oui, on va se revoir. Bien entendu, c'est ça qui est génial. Sloubi, bien entendu, Sloubi T sur Twitter, Sloubi sur Twitch. Oh, ça. Radical Edward sur Twitch. Quel run de qualité. Oh, mais moi, je suis content de vous avoir proposé ce spectacle avec Radical. Fier. On s'est quand même démené pour vous proposer du beau jeu. C'était parfait et moi je vais prendre un Uber et me faire défoncer et surtout enfin profiter de ma soirée bordel. Des bisous à vous deux. On se retrouve très vite. Et ah bah oui. J'ai envie de dire Yamato, on se retrouve pour la finale. Oh attention, c'est annoncé très bien. Et là je vais finir finalement. Ah. Incroyable, mais je terminais avec ce build bizarre. Eh bien, c'est beau. Je vous invite à aller voir Sloubi si vous voulez voir la fin de ce build improbable. Moi, je me casse. Des bisous. Des bisous. T'as bien raison. Eh bien, des bisous. Bonne soirée. Allez, c'est fini. Je mets 5 minutes de pub juste histoire de ranger mon sac et de me barrer.
À plus tard donc, tchuss. Merci pour votre patience, n'est-ce pas? Et votre soutien. Oui. Et la musique du schnapps pour terminer, c'est parfait.